Serait-il que nous soyons déstabilisés par nos pensées, que nous soyons subjugués par plein d'activités, que nous soyons devenus abêtis et que l'esprit ne répond plus à sa capacité? Serait-il ainsi le sort de l'être humain? Serait-il la vie qui serait ainsi, ou il y a quelque chose qui doit être réparé? Je pense que pour réparer, il faut aller soi-même le voir. Où est l'engrenage qui ne marche pas? Où est situé le problème? Parce que le problème, justement, il n'y a personne d'autre qui pourra le réparer, à part celui qui l'a. C'est ta vie, et personne d'autre ne peut la faire à ta place. C'est une vie qui t'appartient, et c'est à toi de mettre les couleurs que tu veux, la beauté que tu veux. L'inspiration, elle vient de toi. Si ta vie, elle est altérée, ramollie par toutes sortes de situations et qu'elle n'a plus de couleur pour exprimer ce qu'il y a de plus beau en toi, alors c'est que ton esprit est subjugué par la vie qui se mène à l'extérieur de ta peau. Mais la vie qui est la tienne, c'est à toi de la colorer. Personne d'autre ne le pourra. C'est ta vie, c'est ton destin. Si tu te sens mal dans une situation et que les choses ne vont pas à ton goût, ce n'est pas ce qui se passe qui devrait être ton problème. C'est ce que tu fais est ton problème. Et ce que tu fais, c'est de mettre des couleurs dans ta vie et de ne pas laisser les choses être ce que tu ne veux pas qu'elle soit. Tu es en fait celui qui est créateur de ta joie, de ta beauté et de la vie que tu mènes à chaque instant. Et personne sur la terre et même au ciel, personne ne pourra t'enlever cette capacité créatrice que tu as, de faire en sorte que les choses soient comme tu aimes. Et c'est là tout l'art de créer ses couleurs, de donner à sa vie le goût de ce que tu es vraiment au fond de toi. Serait-il que toute cette capacité qui se trouve au fond de soi soit brimé pour ne pas s'exprimer? Serait-il que cette expression de toi soit déviée parce que tu n'as pas la capacité de créer, de sortir, d'émerger et d'être vraiment ce que tu es? Parce que le monde te subjugue et te montre la vie que tu dois avoir. Et probablement que tu as obéi, que tu t'es dit, c'est ok, je vais faire comme ça. Mais ta vie n'a aucune couleur.
Ce n'est pas toi qui mets les couleurs. Il n'y a pas de couleur. Elle est molle. Elle est sans goût. Elle n'a pas de sens. Alors que la vie que tu as, c'est toi qui dois la faire. C'est toi qui dois donner le « là » pour que la symphonie puisse démarrer. Et c'est difficile de faire marcher tout un orchestre. Mais c'est ta capacité. Tu es le chef d'orchestre. C'est toi qui dois mettre de l'ordre dans l'orchestre qui joue ta symphonie. C'est ta vie. Nous avons tous la capacité de créer ce qui est le plus beau en nous. Mais faudrait-il qu'on le sache? Faudrait-il qu'on le voie? Faudrait-il qu'on se débarrasse de ce qui nous empêche de voir ça? Et qu'est-ce qui nous empêche de voir ça? N'est-ce pas tout le résidu que nous avons amassé dans nos vies et qui nous encombre et qu'on ne veut pas jeter? Serait-ce une manière de vivre qui défie la vie, qu'on voudrait mettre une vie en place qui n'est pas la nôtre? Et qui est celui-là qui veut mettre cette vie en place? Qui veut contrôler ce que tu es au plus profond de toi, si ce n'est toi-même, tes propres pensées, la propre activité de ton être veut une vie dans une zone de confort, que rien ne change, rien ne bouge, que l'habitude perdure. Mais cette entité que tu es, qui s'appelle, que tu appelles moi, en fait, elle est ton ennemi. Si tu peux la comprendre, si tu peux comprendre cette entité qui se meut d'instant en instant et qui ne lâche jamais un morceau, qui ne te laisse pas mettre les couleurs, serais-tu capable de passer outre? Serais-tu capable de voir son ignominie? Il n'a rien à offrir au monde, parce que celui-là, cette entité que tu es, que tu t'es identifié avec, c'est celui qui veut être lui-même, ce que tu es au plus profond. Mais il ne pourra jamais, parce qu'il n'y a pas de couleur dans ta vie, et que toi, tu as les couleurs. Et c'est à toi de mettre les couleurs dans ta vie et de ne pas laisser l'autorité de tes pensées, l'autorité de ton passé, l'autorité de tes conclusions pour te dire comment doit se mener la vie. Toute autorité au-dessus de toi crée la dépendance de ton être à quelque chose
qui va te rendre brimé, qui va t'emprisonner dans un monde qui n'est pas le tien. Ce que tu es, de par sa nature, est libre de toute attache. Et la tâche que tu te fais, c'est un lien invisible qui n'existe pas, mais qui est inventé par ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est avec quoi tu t'es identifié. Mais ce que tu es n'est pas ce que tu penses. Ce que tu penses, c'est une mémoire avec laquelle tu appliques les événements, tu appliques les actions dans les événements qui se passent. Et cette action ne devrait pas avoir comme autorité la pensée, mais ce que toi, tu veux, toi, tu aimes. Et ce sont tes couleurs qui doivent faire le monde, mais pas la pensée, pas ce que moi ai. Ce que moi ai n'a pas de goût, limité à lui-même. Mais il leurre, il est un leurre. Tu dois faire attention. Tu dois bien regarder comment elle émerge, cette pensée. Comment elle prend corps. Comment ça se fait qu'elle existe en toi. Et comment ça se fait que tu véhicules une telle chose qui est fausse. Peut-être qu'en le voyant, tu seras libre. Peut-être qu'en voyant cette réalité, la réalité que tu n'es pas toi, ce que tu penses, si tu vois cette réalité, alors certainement, la liberté est là. Quand tu as vu ce qui t'emprisonne. Le pire ennemi de toi-même, c'est toi-même.